représentant du pape aux Nations Unies, a fait ses adieux au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était hier lundi à la Cité de l'Union africaine. Patrick Michel Mukoui. Un entretien de congé pour couronner 5 bonnes années au service de l'Église et du peuple. Récemment nommé par le Saint-Siège comme représentant du pape auprès des Nations Unies et des organisations internationales à Genève, Monseigneur Hétéro Balestrero a échangé avec le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui l'a reçu ce lundi dans son cabinet de travail. Au moment de faire ses adieux, le prélat catholique italien dit quitter la RDC avec des souvenirs d'une population généreuse, résiliente et plein d'espoir. Je me souviens d'une femme qui avait un grand problème, avait rien, mais quelqu'un encore plus pauvre passait à côté d'elle. Elle lui a donné le petit foufou qu'elle avait pour elle et pour ses enfants. Je crois que ça, c'est la beauté du Congo. Ça, c'est ce que je porte dans le cœur et ça, c'est ce que nous devons développer pour que le Congo puisse devenir toujours mieux. Une positive attitude qui booste selon lui la volonté de l'Église de travailler pour garantir cette espérance et le développement de la RDC. À la question des relations entre l'Église et les institutions du pays, le nouvel observateur du Saint-Siège à Genève s'est affiché très rassurant. Je pense que les relations sont bonnes, je pense qu'il est toujours nécessaire de se parler, il est toujours important de s'écouter. Elle est toujours regardée ensemble envers le bien du pays, le bien de la population. Je pense qu'elle est en ce moment, je rends grâce à Dieu et j'espère que ça pourra toujours devenir mieux. Ça nécessite, a besoin de la collaboration de tous. En 5 ans, Monseigneur Hétéro Balestrero a visité presque toutes les provinces du pays à la rencontre de la diversité de l'être congolais. Son vœu le plus ardent, a-t-il dit, et que la République démocratique du Congo demeure un pays souverain et conciliant, comme le souhaite le pape. Et pour y arriver, le prélat catholique a appelé le force vive du pays à travailler dans la responsabilité et le sens du bien commun. Les enseignants congolais peuvent désormais suivre le mouvement relatif à leur traitement financier, cela grâce à l'outil numérique de suivi de l'effectif de la paie des enseignants, un logiciel innovateur mis en place par le ministre de l'EPST. Il a été lancé par le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde-Kyenge. Patit Ondongo. Désormais, les enseignants de l'EPST pourront suivre de près les différents mouvements relatifs au paiement de leurs salaires, primes et frais de fonctionnement alloués aux écoles publiques et aux bureaux gestionnaires. Un logiciel vient d'être mis au point par la Direction nationale des contrôles de la préparation de la paie et de la maîtrise des effectifs des enseignants et du personnel administratif des établissements scolaires. Le Premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samalukonde-Kyenge, qui a présidé, ce lundi 10 juillet 2023, la cérémonie de présentation de cet outil numérique de suivi de l'effectivité de la paie, a salué cette innovation. Et ce programme doit être soutenu par tous les intervenants qui sont impliqués, et ici particulièrement ceux qui sont impliqués dans la paie des enseignants. Et donc je voudrais particulièrement m'adresser à ce propos aux opérateurs de paie dont certains sont représentés dans cette salle, de devoir redoubler d'efforts pour améliorer la qualité de leur service. Service déjà salué à ce stade, vu la taille de notre grille. Et service amélioré vis-à-vis de leurs clients respectifs en général, et les enseignants et établissements scolaires en particulier. L'instruction de nos enfants, avenir de notre pays, ne doit absolument pas être compromise par l'inefficacité de certains opérateurs de paie à qui le gouvernement a confié la paie des salaires des enseignants et les frais de fonctionnement des établissements scolaires. Tony Mwaba, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, a saisi cette opportunité pour soumettre au chef du gouvernement les différents mots qui rongent son secteur en rapport avec la paie des enseignants.
Pour accéder à ces logiciels, il faut aller sur le site www.dinacoprdc.com. Et puis, le vice-premier ministre de la fonction publique est arrivé à Lissala, où il a été accueilli par les membres de sa famille politique, l'UDPS. Dans son adresse à la population, il a appelé cette population à soutenir les actions du chef de l'État. Nadine Kilochon. Après Bumba, Jean-Pierre Liaou, notable de la province de la Mongala, est arrivé à Lissala le dimanche 9 juillet 2023 par canot rapide. L'afflux de la population était total. Même sur le fleuve Congo, les membres de l'UDPS, les forces vives, regroupées dans plusieurs associations en furie, dont les pirogues, ont escorté le VPM Jean-Pierre Liaou jusqu'à la terre ferme où la foule en ébullition voulait à tout prix voir et toucher Mwanasuka qu'ils ont accompagné jusqu'à l'esplanade du gouvernorat où il s'est adressé à la population venue en masse pour l'écouter. Le notable de cette province a eu des mots forts pour condamner les actes d'insécurité à répétition perpétrés depuis quelques temps dans cette province et a demandé à la population de dénoncer les auteurs en coopérant avec les services de sécurité. On a une stratégie. Nous avons une stratégie pour barrer la route aux criminels qui opèrent dans différents territoires nationaux et de le mettre hors état de nuire. Le VPM Jean-Pierre Liaou a martelé sur la détermination du gouvernement central, celle de matérialiser les instructions du chef de l'État dans le cadre du projet de 145 territoires dans la province de la Mongala. Bientôt, les travaux de construction des routes à Akula jusqu'à Bunduki vont être exécutés, je vous rassure, car les engins sont déjà à Akula. En sa qualité de notable de la province de la Mongala, le VPM a interpellé le gouvernement provincial à travailler pour le bien-être de la population et le développement de la province. Soutenir un candidat aux élections n'est pas synonyme d'être son mentor. Soutien au chef de l'État, la population promet de réserver un accueil délirant au président de la République lors de sa tournée dans cette province, comme annoncé par le VPM Jean-Pierre Liaou. Libération du pouvoir de l'égalité de genre, faire entendre les voix des femmes et de filles pour ouvrir les possibilités infinies de notre monde, c'est le thème retenu cette année pour célébrer la journée mondiale des populations. Selon les statistiques, jusqu'en 2022, la planète occupe 8 milliards d'habitants. Dans son message à la population, le ministre d'État, ministre du Plan, Judith Suminwa-Tuluka, a énuméré certaines politiques mises en place par le gouvernement de la République pour donner aux femmes et aux filles les mêmes droits et choix. Françoise Boulabouaki. Encore une fois, les Nations Unies rappellent au monde la nécessité d'améliorer les politiques publiques pour des meilleures conditions de vie des populations. Occasion pour la ministre d'État, ministre du Plan, Judith Suminwa-Tuluka, de relever quelques réformes engagées par la RDC pour accorder les mêmes chances aux hommes et aux femmes. Plusieurs autres actions importantes ont été menées par le gouvernement de la République pour éradiquer les inégalités dans tous leurs aspects et dans plusieurs domaines. Je voudrais évoquer à cet effet la gratuité de l'enseignement sur toute l'étendue du territoire national qui a permis à des milliers d'enfants, parmi lesquels plusieurs filles, de reprendre le chemin de l'école, la couverture santé universelle en cours d'implémentation, ainsi que le programme de développement local des 145 territoires, PDL 145T en sigle, qui vise principalement à réduire les inégalités spatiales. Libération du pouvoir de l'égalité des genres, faire entendre les voix des femmes et des filles pour ouvrir les possibilités infinies de notre monde, ce thème interpellateur de la Journée mondiale des populations le 11 juillet encourage des initiatives des dirigeants. Je ne voudrais passer sous silence l'exemple montré par le président de la République, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son engagement en faveur de l'autonomisation de la femme qui a mené ses pairs
à le désigner champion de la masculinité. Des efforts restent à fournir. La situation des femmes et des filles en RDC, surtout dans les zones en proie des conflits armés, demeure préoccupante. Mettre fin au mouvement Mobondo Akenge, c'est l'objectif du commandement de la 11e région militaire. Les FARDC ont pour ce faire mis la main sur 9 présumés Mobondo ainsi que leur fétiche. Reportage. 11e région militaire est déterminée à mettre hors état de nuire tous les assaillants Mobondo qui sèment terreur et désolation au sein des populations du territoire de Kenge et de Popokabaka dans la province du Kwango. Selon le porte-parole de la 11e région militaire, le lieutenant Kenge Jacques, les forces armées de la République démocratique du Congo, sous les ordres du commandant 11e région militaire, le général-major Jonas Padiri, ont encore mis la main sur 9 présumés miliciens Mobondo et plusieurs effets militaires, aussi des fétiches aux mains de ces malfrats. On a existé cette nuit-là, de la réunion, les éléments de FAPC ont arrêté après une mini attaque, 9 assaillants Mobondo et récupéré 6 armes calibrées. Une machette et plusieurs fétiches ont été saisies aux mains de ces malfrats. Le commandant 11e région militaire, chargé des opérations Kwango, le général-major Padiri Moïse-Charras, remercie la population pour sa collaboration et son soutien, signalant qu'en date du 9 juillet, les miliciens Mobondo ont attaqué une position de FAPC dans le village de Sélé-Wadi, à plus ou moins 50 km. De l'ouest de Bukangalon. Côté ennemi, des assaillants Mobondo, les traditions des armes calibre 12, c'est côté armes, les éléments des forces armées d'Afrique démocratique du Congo, ont été blessés. Retenons que depuis le début de ces opérations, la 11e région militaire des FARDC a maîtrisé plus de 80 assaillants Mobondo, une trentaine d'armes, dont des AK-47. Une cinquantaine de machettes, plusieurs sortes de fétiches, des armes traditionnelles, dont des flèches et lance-pierres. Signalons que 80 présumés miliciens Mobondo sont à ce jour déférés devant leur juge naturel. Ils sont jugés dans un procès public au stade municipal de la ville de Kikwit. Une somme de 100 000 dollars américains a été remise au gouverneur militaire de l'Ituri pour soutenir l'effort de FARDC qui sont au front. C'est le caucus des parlementaires de cette province qui a posé ce geste pour répondre à la mobilisation générale lancée par le chef de l'État. Reportage. Un soutien de plus et un confort moral au FARDC engagé au front dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu qui mènent un combat acharné contre les groupes armés locaux et étrangers à l'est de la RDC dont l'objectif est le rétablissement de la paix. Le représentant du peuple engagé est soucieux d'accompagner le FARDC jusqu'à la victoire finale contre les forces négatives ont remis officiellement ce lundi 10 juillet 2023 une bagatelle somme de 100 000 dollars américains au gouverneur militaire et commandant des opérations en Ituri à travers les caucus de parlementaires de cette province au nom du président de l'Assemblée nationale. Nous étions aussi mandatés par l'Assemblée nationale pour venir déposer la contribution de l'Assemblée nationale à l'ordre de 100 000 dollars pour soutenir les militaires qui sont en train de se battre contre les groupes armés locaux et les groupes armés étrangers, les ADF. Cette dotation s'inscrit dans le cadre de la mobilisation générale lancée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et saluée par le lieutenant général Luboyanka Shomajuni. Nous avons eu 100 000 dollars du Parlement. Et les 100 000 dollars, dont une partie sera remise au commandant région pour l'achat des vivres de nos militaires qui sont dans les opérations. Et vraiment, nous tenons à remercier le président Mbosso. Vraiment, merci de tout cœur et vraiment, il va voir le travail que nos hommes sont en train de faire sur terrain. Par ailleurs, l'honorable Jean-Claude Traza se félicite de l'amélioration de la situation sécuritaire et de l'élan du développement enregistré sous l'état de siège. Nous saluons les efforts du gouverneur dans cet aspect infrastructure. Dans la ville, sur les plans sécuritaires, il y a une évolution positive. C'est comme ça que nous avons demandé au gouverneur de maintenir cet élan sur les plans sécuritaires.
La question de l'électrification des zones économiques spéciales de Maluku sera bientôt résolue. C'est l'assurance du ministre de Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mwendimkaleng, qui a fait une descente sur le lieu. La zone économique spéciale pilote de Maluku, d'une superficie de 244 hectares, renferme des entreprises qui sont sur le point de se déployer. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mwendimkaleng, a effectué une visite sur le lieu ainsi que sur la zone économique spéciale de Kinmalebo pour s'imprégner du besoin énergétique pouvant booster la production locale. Ces entreprises vont contribuer à la transformation de divers produits localement tels que les carreaux céramiques, la boisson Pepsi, l'huile raffinée, les meubles, les papiers bois et autres. C'est le cas de l'entreprise Saphir qui, à elle seule, occupe 40 hectares. Le ministre Mwende a dit sa détermination d'accompagner ce projet cher au président de la République. Le gros problème essentiellement pour la zone économique spéciale de Maluku ainsi que la zone économique spéciale de Kinmalebo, leur gros problème en ce moment c'est l'approvisionnement en électricité, l'approvisionnement en énergie. Essentiellement pour cette entreprise Saphir qui va faire des carreaux, on parle d'une demande d'environ 30 MW. Nous tenons à accompagner ce projet, cette grande vision du président de la République. Déjà, les discussions sont en cours avec la SNEL pour une fin utile. Pour la zone économique spéciale, en tout cas pour la partie pilote, des conversations sont déjà très très avancées avec la SNEL. Donc ici, il s'agira de retourner auprès des responsables de la SNEL pour essayer de dénouer ces points de blocage. Le directeur général adjoint de l'AZES a précisé que déjà les machines de l'entreprise Saphir sont sous générateur pour un test systématique de ces machines. Cependant, le besoin en termes de l'énergie hydraulique se fait sentir. Les travaux de voirie dans certaines communes de la capitale se poursuivent sans faille et pourront s'achever dans un mois. C'est le cas des avenues Kikwit et Salongo en pleine modernisation sous financement du gouvernement provincial de Kinshasa, ainsi que les travaux de construction d'un terrain de basketball à Lemba Salongo. C'est un commentaire de Willy Atunakov. Les travaux de modernisation par le gouvernement provincial de Kinshasa sur fonds propres de l'hôtel des villes de Kinshasa, de l'avenue Kikwit qui traverse cinq communes, Lemba, Ngaba, Limete, Makala et Bumbu, devant faire la jonction avec l'avenue Elengesa déjà ouverte à la circulation, et les travaux de la route Salongo évoluent normalement et pourront être inaugurés dans un mois. C'est le constat positif fait par le gouverneur de la ville province Kinshasa au terme d'une visite d'inspection effectuée dimanche 9 juillet 2023 sur différents chantiers des voiries dans la capitale. Gentiline Ngobilambaka a commencé sa ronde par l'avenue Kikwit, précisément sur le pont Kalamu à la hauteur de l'avenue Luanza dans la commune de Makala, où il a assisté aux travaux de la pose de poutres. Ensuite, le chef de l'exécutif provincial de Kinshasa s'est rendu dans l'autre rive de l'avenue Kikwit, dans la commune d'Engaba, pour s'imprégner de l'évolution des travaux de construction d'un autre pont qui est en train d'être jeté sur la rivière Lubefu. Enfin, le patron de la ville de Kinshasa est allé inspecter la route Salongo en pleine modernisation pour terminer par le terrain de basketball en construction toujours à Lemba Salongo, dont l'inauguration interviendra dans 2 semaines selon les experts commis à ces travaux. C'était à la grande satisfaction de la population riveraine bénéficiaire de ce projet. Reconnu comme bâtisseur de la vision du chef de l'État relative à l'amélioration des conditions de vie des Congolais, Gentiline Ngobilambaka compte déjà à son actif plusieurs réalisations à impact réel et visible sur le vécu quotidien de la population kinoise, dont les volets infrastructures routières de voies secondaires en vue de réduire les embouteillages et faciliter la circulation à plus de 15 millions d'habitants que compte la ville de Kinshasa. Dans la province du Haut-Tuili, les questions du processus électoral étaient au cœur des échanges entre le gouverneur de cette province, Christophe Bassiani Nanga, avec les membres du gouvernement provincial. Reportage.
Dans cette salle Kibali du gouvernorat du Haut-Uele, le membre du gouvernement provincial réuni en conseil ordinaire sous la présidence du gouverneur honorable Christophe Bassien Nanga. Au nombre de points abordés, l'examen et l'adoption du projet d'arrêté portant fixation des frais scolaires dans les items IIM du Haut-Uele pour l'année scolaire 2023-2024 et le rapport sur le déroulement des différentes épreuves certificatives organisées à la fin de l'année scolaire 2022-2023. En sa qualité de président du comité provincial de sécurisation du processus électoral en cours, le gouverneur Christophe Bassien Nanga informe le conseil de l'évolution actuelle de ce processus. C'est d'ailleurs dans ce cadre qu'il a reçu en audience peu avant tous les acteurs commis à cette opération avec la participation de Mme Patricia Seya, rapporteure de la centrale électorale. Elle n'a pas manqué de saluer l'implication personnelle de Christophe Bassien Nanga pour la sécurisation des opérations dans son entité. D'abord son excellence monsieur le gouverneur pour la tâche, la mission qu'ils ont eu à réaliser pendant cette période, mais aussi solliciter le renforcement de la sécurisation du processus électoral. La consolidation du partenariat du gouvernement provincial ainsi que les opérateurs miniers du Lualaba était au centre d'une séance de travail, une séance de travail qui a été animée par la gouverneure Fifi Masuka Saini. Yolande Voka, reportage. Le gouvernement du Lualaba s'est entretenu ce vendredi 7 juillet 2023 avec les responsables des entreprises minières dans la salle de conférence du gouvernorat. L'échange a porté sur la consolidation du partenariat entre le gouvernement provincial et les opérateurs miniers. Accompagné de quelques membres de son gouvernement, Marie-Thérèse Masuka Saini a convié ses hôtes à suivre d'abord la projection d'images des réalisations infrastructurelles qu'elle a initiées il y a peu, dans sa juridiction sous l'impulsion du président Tshisekedi. Les efforts du gouvernement provincial sur la construction de la route Kolozi-Solozi du lycée Mwanga et de la nouvelle aérogare de Kolozi étaient parmi les matières évoquées dans cet échange. Pour faciliter la compréhension de tous, Marie-Thérèse Masuka a communiqué aussi en anglais avec l'assistance. Aujourd'hui, la province de Lualaba a voulu premièrement vous montrer ce qu'elle fait avec tout ce qui vient de vos sociétés minières en termes de paiement de taxes, de redevances minières et j'en passe. Le souci de la gouverneure Masuka qu'elle a tenu à partager avec chacun est de doter le Lualaba des infrastructures routières, aéroportuaires, scolaires et autres comparables à celles des pays développés. Toute la province est pratiquement en grand chantier. Nous sommes passés des grands bâtiments jusqu'aux logements sociaux que vous avez vus. Plus de 750 logements sociaux sont en pleine construction pour changer certains de nos villages en villages urbains. C'est sur une note de satisfaction que la gouverneure Masuka s'est séparée de la délégation des opérateurs miniers de sa province. À présent, de la sortie officielle du caucus des femmes candidates de l'UDPS, une structure qui vise la mobilisation des femmes à adhérer à cette formation politique pour la réélection du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Alain Bikay. Désormais, les femmes candidates de l'UDPS ont un cadre d'échange et de partage d'expérience dénommé les caucus des femmes candidates de l'UDPS CAFEC. Et au lieu de coaching et de mentorat de la gente féminine engagée dans la vie politique congolaise en vue de promouvoir l'égalité des chances hommes et femmes. À la cérémonie de sortie officielle de cette structure informée de l'UDPS, la présidente nationale Madon Doa Olinga a dévoilé les objectifs principaux de leur organisation. C'est notamment la mobilisation des femmes de toutes les couches sociales congolaises à s'adhérer au sein de l'UDPS afin de soutenir la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, champion de masculinité positive. Profitant de cette occasion pour réitérer notre soutien indéfectible et engagement à soutenir la vision du chef de l'État, son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, homme géré que le Congo n'a jamais connu. Depuis son mandat au pouvoir, il ne cesse de promouvoir l'égalité des chances entre hommes et femmes.
C'était aussi l'occasion pour Madame Boa de demander au couple présidentiel de soutenir les candidatures féminines aux élections générales du mois de décembre prochain, comme l'avait souhaité la distinguée première dame Denise Nyakeo Tshisekedi lors de sa rencontre avec les femmes de l'IDPS. Après les débats, ces femmes politiques se sont engagées à mettre en place des projets d'entrepreneuriat féminin, question de permettre aux femmes candidates d'avoir les moyens pour bien mener leur campagne électorale. Et puis, cette messe d'action de grâce du centenaire de l'église Saint-Jean-Baptiste de Kilembe, c'est l'évêque du diocèse d'Idiofa, José Moko, vice-président de la SENCO, qui a présidé cette célébration eucharistique. La paroisse Saint-Jean-Baptiste Kilembe a clôturé les journées de célébration de son centenaire avec une messe d'action de grâce célébrée ce dimanche 9 juillet à l'esplanade de l'église paroissiale préparée pour cette cérémonie solennelle. C'est Monseigneur José Moko, évêque du diocèse du Diofa, vice-président de la SENCO et président de l'association de conférence des évêques de l'Afrique centrale, qui a présidé cette célébration eucharistique, concélébrée par près de 157 prêtres. Le gouverneur de province, des autorités politico-administratives provinciales et nationales, ainsi que de très nombreux chrétiens religieux venus des horizons différents et des quatre coins du diocèse et du Diofa, étaient à la dite cérémonie. Au cours de cette célébration, Mgr José Moko a ordonné 3 prêtres et 5 diacres. Il les a exhortés à se faire sécuriser dans leur apostolat par Jésus-Christ qui nous appelle avec urgence à le servir sans s'attarder sur ce qui distrait la mission, dont l'argent, le temps, aux salutations ou de manger. Il y a eu également célébration de 40 ans et 25 ans des sacerdoces de quelques promotions de prêtres du diocèse du Diofa. Et cette célébration du centenaire de Kilembe intervient une année après le centenaire de la mission catholique IPAMO. La ferveur et la liesse étaient au rendez-vous. Venons encore dans la province du Haut-Uele, où s'est tenue la messe de clôture des premières journées interdiocésaines de jeûne. Le gouverneur Christophe Basséanenanga a pris part à cette célébration eucharistique. La cathédrale catholique Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Issiro brille aux mille couleurs le dimanche 9 juillet 2023 dans une eucharistie couplée à l'émouvante cérémonie de clôture des journées interdiocésaines des jeunes édition 2023 pour Bienheureuse Annualité Assise ayant drainé plus de 5000 jeunes des diocèses de Wamba, d'Issiro Nyangara et de Dungudorima, y compris ceux de Viadana dans le Bas-Uele pendant 6 jours. L'invité d'honneur, c'est le gouverneur et premier jeune du Haut-Uele, honorable Christophe Basséanenanga. Dans sa prêche, Mgr Julien Ndavumbia, évêque d'Issiro Nyangara, invite les jeunes à être les artisans de la paix, l'amour, l'humilité et de l'honnêteté à l'image de Jésus-Christ et à combattre la corruption sous toutes ses formes. Jésus-Christ est la vigne, nous les jeunes ressortissants de huide, nous sommes ses sarments. C'est le thème de ces JNJ, rappelle l'abbé Patrick Aboulé, aumônier diocésain. Il remercie le gouverneur Christophe Basséanenanga pour son accompagnement avant de recommander aux jeunes sages, obéissant à vos parents, aînés, encadreurs, enseignants, ayez des guides spirituels. Aimez le travail bien fait, afin de prendre l'Église de Dieu en charge, afin de vous prendre vous-même en charge. Pour sa part, le chef de l'exécutif provincial du Haut-Uele s'est dit très ravi de participer à cette activité. Christophe Basséanenanga exhorte les jeunes à barrer la route à toute manipulation politicienne et à soutenir l'élan actuel de l'émergence du Haut-Uele. Le tout se termine dans une ambiance de fête. Nous allons terminer ce journal toujours par la religion. L'Église du Christ au Congo organise du 10 au 21 juillet les semaines bibliques et des prières intenses pour la nation. Ça sera en la cathédrale du centenaire dans la commune de Lingwala. Des explications avec Iverson Kabwaba.
phase cruciale que traverse la République démocratique du Congo, l'Église du Christ au Congo en appelle le chrétien à prendre part au séminaire. La destruction des puissances maléfiques au nom de Jésus-Christ, c'est le thème des dites assises. Le révérend pasteur Ipouma Jean-Pierre insiste sur l'enjeu de cette réunion de prière. La cathédrale du Saint-Élève protestant vous invite à un séminaire de 10 jours avec d'intenses moments de prière. Le thème, c'est destruction des puissances maléfiques au nom de Jésus-Christ. Colossiens 2, 14 à 15. Ça commence de 16h à 18h. Car nous avons des éminents hommes de Dieu qui vont nous parler de la part du Seigneur avec l'aide du Saint-Esprit. En tout cas, soyez les bienvenus avec vos familles, avec les amis et connaissances pour ces 10 moments là-bas. C'est 10 jours. Et le vendredi 21 juillet, nous aurons une grande veillée de prière. Et Dieu va nous visiter par sa grâce et avec l'aide du Saint-Esprit. La balle est donc dans les camps de tous les chrétiens de la capitale Kinshasa, attendus à ces grands meetings afin d'implorer Dieu pour que le Congo de Lumumba retrouve la paix et aille de progrès en progrès. Nous souhaitons la bienvenue à toutes et à tous. Ce journal est terminé. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui a travaillé ce matin à la réalisation. Patrick Bapula-Yamulamba, Jonathan Mbalama. L'équipe technique était assurée par Henri Alimassi, Émile Zola, Julie, Gina, Papi Voilé. Un journal coordonné par Jacques Kabouaba, Mukumina, Seduga. L'information continue sur nos antennes en français dans les quatre langues nationales. 13h30, Tétis Samba Danaé, paix et grâce chez vous, au revoir.